crédit avec Luxon Saint-Ville. Déclaration Léon Charles. Léon Charles, ou pral parler avec pays, ya garçon. Et c'est ça. Déclaration Léon Charles, sous tribune, capable dit, et l'OEA. En outre de Léon Charles, là maintenant. Dans la République d'Haïti, on a assez de crises. Ce n'est nullement le moment d'en alimenter une autre avec notre plus proche voisin. C'est d'ailleurs ce sentiment qu'a exprimé le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, qui, à une question de journaliste, a répondu en ces termes. Pas de tac au tac avec le voisin. Très bien. L'essentiel, c'est de trouver une solution. Le gouvernement haïtien affiche une position de sagesse, sans émotion, mais avec maturité. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, s'agissant du différent opposant la République dominicaine et la République d'Haïti, concernant la construction du canal sur la rivière Massacre, souffrez que je vous présente brièvement quelques faits. Le gouvernement haïtien, dans le but de maîtriser les crues de la rivière Massacre et mettre en valeur du même coup une partie de la basse plaine de Maribao, dans le nord-est, a décidé en 2018 d'entreprendre la construction de systèmes d'irrigation pouvant arroser 3000 hectares de terre. Le dit système sera alimenté par les eaux de la rivière Massacre. Celle-ci est un cours d'eau frontalier formé par des affluents prenant source tant en Haïti qu'en République dominicaine. Ainsi, le territoire haïtien contribue largement à générer les débits mobilisables de cette rivière commune. En République dominicaine, elle prend naissance à Pico del Gallo, Loma de Cabrera. En Haïti, elle reçoit au niveau de contrée Bernard plusieurs affluents, prenant naissance dans le versant haïtien de la cordillère centrale, notamment la rivière de Capotille, la rivière Gens de Nantes. J'allais la mine. Après environ 10 km comme ligne de démarcation entre les deux pays, elle pénètre en Haïti sur un parcours de 2 km avant de traverser la frontière au niveau de la borne RH-RD13 pour un parcours en territoire voisin. Puis elle redevient ligne frontalière jusqu'à son embouchure dans la baie de Mancenille. De la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 9 février 1929 à nos jours, la République dominicaine a construit 12 ouvrages sur la rivière Massacre dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Je répète, de la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 29 février 1929, à nos jours, la République dominicaine a construit 12 barrages, ouvrages sur la rivière Massacre, dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón. Ils ont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Les travaux de ces ouvrages ont été réalisés de manière unilatérale et n'ont pas été préalablement notifiés à l'État haïtien. Ces infrastructures hydriques en fonction sur le territoire dominicain exploitent plus de 70% des ressources en eau de la rivière Massacre à des fins agricoles et industrielles. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Aïe, 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 garçon. Moi-même, tenez bien. C'est l'âme t'as besoin. Tenez, c'est parti ça qui est extrêmement important pour nous. Râler à bon oui, mais nous connaissons déjà. Mais c'est parti ça, en tant que représentant nous, dans l'OEA, mon cher, c'est parti ça, peuple à t'apten. Et c'est parti ça, nous t'apten la République d'Haïti. Et ça que me dit encore, dans nos rangs, point de traître. De vous pas qu'à camper pour parler comme ça, m'pap bon menti garçon, ou pas capable de mettre pied dans le pays d'Haïti, non? Aïe, aïe, aïe. Léon Charles, bravo. Bravo avec Léon Charles, en tant que nègre.
Aïe, 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 monsieur. C'est-à-dire, m'a vibré là, oui. Bravo, Léon Charles. On nous reprend. Tu bâtis ça encore pour moi, tant pour souple. Ti John, dis-o ça. Comment est-ce que John dit ça? Coupez ça. En fonction sur le territoire dominicain, exploite plus de 70% des ressources en eau de la rivière Massacre à des fins agricoles et industrielles. Très bien. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Jamais. En regard de la topographie de la rivière Massacre, oui, d'une part, ainsi que de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du traité du 20 février 1929, d'autre part, le gouvernement haïtien clame son droit d'utiliser de manière juste et équitable les eaux de la rivière Massacre. Claire. Rivière frontalière et successive, alimentée par des affluents des deux pays. Monsieur le Président, la construction du canal sur la rivière Massacre est depuis quelques années l'un des sujets faisant unanimité au sein de la population et de tous les secteurs en Haïti. Tout haïtien. Les haïtiennes et les haïtiens. Oui, c'est le conseil. Solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Wanamet parle d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK. KPK. Canal là. Pap campé. Oui, Léon Charles, où tu es net, la garçon. Où est là? Monsieur, prends net. Monsieur, de pour monter capé, de pour monter sur ta terre, là, dans Wanamet. De pour sur ta terre, là, dans bas plein Maribao, sous canal, là, ou monter dans l'OEA, avec capé cap pour nous. Où c'est petit garçon, mon cher? Oui, on nous remont en pile. Ou vous, nous même haïtiens nous pas saf. Nous pas besoin pile non pour nous satisfaire papa. Nous pas besoin pile. Nous c'est seul peuple sur la terre. Si nous t'ai un dirigeant qui te connaît, qui est-ce que nous est comme peuple? Papa nous mentir, nous pas souffrir. Nous c'est seul peuple sur la terre pas jambe dans pile. Malheureusement, ça fait que mal fait tellement nous on a fait. Yay yay monsieur. KPK. Canal là pas campé. Ouais mon ça. Luis Abinadel, Léon Charles Fouye, et puis l'un d'un garçon, vacabon. Vacabon. Oui. Fait n'en foutre dans le pays, ou pas payer, c'est la guerre. C'est bon, atomique, cap tombe, bidou, oui. Bidou éclate, bidou, oui. Quand c'est, y'a pas moun, non. Y'a pas gèk moun, non. Y'a pas qui jambe, moun, sérieux, vague, non. Et c'est ça, Kapika. Léon Charles, ou pas le reparler avec peuple, là. Parce que je dis, y'a, pas bon, petit garçon, peuple haïtien mettait toute différence de côté. Toute appartenance politique, quoi de vers ça qui t'est passé, mais pour le moment, c'est la République d'Haïti. Qui face avec un État, qui un dirigeant, qui fréquent en pile, qui soumoune en pile, qui coco à en pile, qui raciste en pile, qui est Luis Abinadel. Et que je dis, y'a, n'a foutu mission leçon, on cale pour l'histoire. N'a foutu Luis Abinadel, non son peuple qui va jamais prendre des filles dans mes mounes. Parce que nous t'ai fait l'histoire. Peuple nous t'ai battu. Attendez bien, oui. Blanc t'ai battu. Et pas si Abinadel yote, non. Et pas si Libanais, lui, Abinadel yote, non. Et pas si Libanais, t'es venu prendre refuge en Dominicane yote, non. Blanc t'ai battu. Pas n'importe blanc, non. Et pas n'importe blanc yote. Comme lui, Abinadel, pas de jambes de l'histoire pour l'étudier l'histoire. Navo et l'histoire, pays d'Haïti, bali pour l'étudier. Pour lire l'histoire, yon peuple. Et un peuple qui est libre haïtien. Et ça, en vérité, mon Dieu, il est nécessaire aujourd'hui pour nous collaborer avec des haïtiens qui remet pays d'Haïti, nous, qui pas peut parler et qui parle espagnol très très bien. C'est là qu'on s'amène à faire nous vivre un bagage là, un bagage extraordinaire. On va faire nous vivre un sénateur dominicain, sénateur Sosa, qui n'a d'abord, ça va être chargé. Je vais aller pour nous. Moi-même, je dis, nous avons besoin des patriotes. Des patriotes conséquents. Et en nous finissant pour KPK dans Léon Charles, pour nous tourner vers le discours directement, pour nous quitter le discours, passer net, pour nous rentrer dans le moment, émission. En avance. Alimenté par des affluents des deux pays. Monsieur le Président, la construction du canal sur la rivière Massacre. Et depuis quelques années, l'un des sujets faisant unanimité au sein de la population et de tous les secteurs d'Haïti. Tout le monde net. Les Haïtiennes et les Haïtiens, en solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Wanamet,
parlent d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK. Canal là, pas campé. Canal là, pas campé. La construction du canal ne va pas s'arrêter. La construction del canal ne va pas arrêter. Le gouvernement de la République d'Haïti réclame le respect de l'intégrité de son territoire. Claire. Sans faire un compte rendu exhaustif de la situation de nos compatriotes en terre voisine, le gouvernement appelle aussi à la protection de ses ressortissants et au respect des conventions internationales en la matière. Qui va respecter? Où est ça? Ou peut-être Léon Chalmbacon n'a pas dit pour Ariel, mais dans le pays d'Haïti, depuis ce petit vol, nous voyons à le représenter Haïti en Dominicani, ou du moins à le camper pour comme ambassadeur d'Haïti en Dominicani, nous gagnons 4 consulats, messieurs. Ça fait honte. Et ça fait mal. Parce que je dis, ça, il s'est passé en Dominicani, nous n'avons pas personne. Personne en Dominicani. Je dis pour moi-même. C'est comme si m'dadjou, c'est un faux bateau qui consul Haïti dans Igwey, Alta Grasa Bihe. C'est comme si m'dadjou, c'est moi bateau qui consul Haïti à Santo Domingo. C'est comme si m'dadjou, c'est moi même faux bateau qui consul Haïti à la Balaona. C'est moi même. C'est comme si m'dadjou, c'est moi-même Beto, avec toute famille plateforme nan, qui consul Haïti à Santiago de los Caballeros, République, alors République Dominicaine. Tellement c'est moi-même cap, c'est tout, comme si, tout ça y c'est comme gagné, comme revendication, tout problème yo, tout difficulté yo, c'est moi cap koné yon dernier jour sa yo. M'bagne dormi nan nuit. Moi qui téléphone ça sur écran en vérité bon Dieu pendant n'a parlé là m'pa ka contrôler quantité appel k'ap monté si qu'on pas tout qui t'est connecté téléphone pas avec charge tellement haïtien après Léo dans dernier jour ça aussi haïtien dominicani bagala grave haïtien qui États-Unis a dit nous Roberto nous connons la dominicani bien on va vivre là mais justement aidez nous sauver la vie haïtien mais c'est moins seulement n'a pas gardé qui ça qu'une café. M'relais secours, au secours, pour nous jouer un support, ambassadeur, ou du moins consul haïtien, en République Dominicaine. Yo pas pété nos côtés, ban senti. Haïtien a souffri. Frère, avec ceux en difficulté. Nous avons 6 bébés que Dominicains assassinés, yo prennent l'hôpital. Nous besoin de consul haïtien, yo pose question. Nous pas jeune personne. Ben, la grave. Léon Charles fait déclaration ça hier sous allons dans une rencontre dans l'OEA devant Roberto Alvarez qui est ministre affaires étrangères République Dominicaine et monsieur son crétin monsieur son raciste monsieur son bluffeur monsieur pas sérieux. Léon Charles démentibilé, monsieur. Léon Charles désapprouvé, monsieur. Léon Charles montré, monsieur, où son honte pour pays qui n'en est de l'île, qui c'est la République Dominicaine. Parce que presque pas envie de au pays. En, comme si franchement, parce que, écoutez bien, là, on a parlé de l'histoire. De ou pas qu'à montrer, de ou pas qu'à dire qui l'histoire, qui compte sorti, qui ou, de ou pas qu'à montrer ça, ou presque, m'a gros problème pour me balavoir. Et là maintenant, Léon Charles dit causé. Léon Charles dit parole. En nous attendant, une extrait dans partie ça, dans discours Léon Charles, qui n'a pas écrit avec Luxon Saint-Ville, journaliste et radio-télévision Caraïbe, qui trouvait la Miami. Je salue Luxon Saint-Ville, et plein flan de moi en pile. Jeune garçon, bon bagage, moi en pile, franchement. On avance. La République d'Haïti en a assez de crises. Ce n'est nullement le moment d'en alimenter une autre avec notre plus proche voisin. Très bien. C'est d'ailleurs ce sentiment qu'a exprimé le Premier ministre Dr. Ariel Henry
qui, à une question de journaliste, a répondu en ces termes. Pas de tac au tac avec le voisin. L'essentiel, c'est de trouver une solution. Le gouvernement haïtien affiche une position de sagesse, sans émotion, mais avec maturité. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, s'agissant du différend opposant la République dominicaine et la République d'Haïti concernant la construction du canal sur la rivière Massacre, souffrez que je vous présente brièvement quelques faits. Le gouvernement haïtien, dans le but de maîtriser les coûts de la rivière Massacre et mettre en valeur du même coup une partie de la basse plaine de Maribao, dans le nord-est, a décidé en 2018 d'entreprendre la construction de systèmes d'irrigation pouvant arroser 3000 hectares de terre. Le dit système sera alimenté par les eaux de la rivière Massacre. Celle-ci est un cours d'eau frontalier formé par des affluents prenant source tant en Haïti qu'en République dominicaine. Ainsi, le territoire haïtien contribue largement à générer les débits mobilisables de cette rivière commune. En République dominicaine, elle prend naissance à Pico del Gallo. Très bien. Loma de Cabrera. Loma de Cabrera. Elle reçoit au niveau de Contré Bernard plusieurs affluents pour une naissance dans le versant haïtien de la cordillère centrale, notamment la rivière de Capotille. La rivière de Capotille. La rivière de Jean de Nantes. Jean de Nantes. Jean de Nantes. La rivière La Mine. La Mine. Après environ 10 km comme ligne de démarcation entre les deux pays, elle pénètre en Haïti sur un parcours de 2 km. Avant de traverser la frontière, justement, au niveau de la borne RH-RD 13 pour un parcours en territoire voisin. Puis elle redevient en ligne frontalière jusqu'à son embouchure dans la baie de Mancenille. De la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage le 9 février 1929 à nos jours, la République dominicaine a construit 12 ouvrages sur la rivière Massacre, dans la région de Loma, de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Je répète, de la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 29 février 1929, à nos jours, la République dominicaine a construit 12 barrages, ouvrages sur la rivière, sur la rivière Massacre, dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Les travaux de ces ouvrages ont été réalisés de manière unilatérale. Unilatérale. Et non pas... Ça te l'a bien, oui. De manière... Ça veut dire pour continuer à prendre une décision, ils ont construit 12 barrages. Ils n'ont pas jamais été mis à Haïti au courant même pour une seconde. Mais nous-mêmes, pour la première fois, n'a construit un barrage, nous respecter sa traité 1929 l'ont dit. Nous kembe yo au courant. Yo mande chita parler, nous déplacer. Ingénieur cubain que nous te gagné, tout technicien cubain yo, nous faire déplacer aller en République dominicaine même. Heureusement pour nous yo parle espagnol bien. Tout très bien, tout expert. Mais que ce bagage barrage dominicain, lui ça ben aller râler, vinn mettre sous table là pour présenter au projet a. Il fait étude sur le terrain pour voir exactement qui ça travaille là hier. Peuple haïtien, haïtiens font bel travail. Gouvernement haïtien présente travail là propre, bien. Technicien dominicain yo, mais qui expert dans domaine barrage yo, yo dit président dominicain avec ministre affaires étrangères dominicain, yo dit effectivement travail là bien fait, son travail qui bien préparé, son plan qui bien fait, travail là a bien exécuté, pas gain rien comme problème là-dedans. Eh bien, Luis Abinadel, ben l'ode, avec ministre des Affaires étrangères, après consultation partie technique, il dit, ok, pas de problème, nous avons signé un accord pour nous tomber d'accord et que le canal là a construit sans nous reconnaître que il n'y a pas présenté un problème pour ni de peuple ni de pays. Mes amis, là maintenant, n'est-ce que vous finissez tout le président?
le 6 pour le 7 juillet. Depuis jour à travers la campée. Peuple a venu reprendre travail là avant hier là dans WhatsApp temps blanc. Pour même nous même quand nous vienne camper pour nous vienne camper faire travail là, nous méchants. Et c'est là nous lever plume sous dos peuple haïtien, Abinader la prend longue peuple ça. Et ou pral wel, frontière sa garçon. Peuple haïtien, moi gagne une information. Tout de suite après Léon Charles fin parler là, moi pral partager là avec nous. Mais entre-temps, m'a dit nous veiller traite yo parmi nous. Veillez délégué départemental nord-est là. Veillez magistrat d'Ouanamet là. Veillez délégué départemental nord-est là. Veillez magistrat Ouanamet là. Veillez deux messieurs ça au de près. Mettez projecteur nous sous yo. Parce que écoutez bien, moi gain information nèg sa bataille pieds et mains pour que yo fè nous honte devant la Dominicanie. Parce que nèg yo gain intérêt dans Dominicanie. Léon Charles fin parler pour peuple là tant toi petit garçon ou son patriote ou son ou lever attendez ou lever scope figu pays à garçon on avance après tout ça peuple là sont fait là c'était préalablement notifié à l'état haïtien ces infrastructures hydriques en fonction sur le territoire dominicain exploitent plus de 70% des ressources en eau de la rivière Massacre à des fins agricoles et industrielles. Monsieur le président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. En regard de la topographie de la rivière Massacre, d'une part, ainsi que de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du traité du 20 février 1929, d'autre part, le gouvernement haïtien clame son droit d'utiliser de manière juste et équitable les eaux de la rivière Massacre, rivière frontalière et successive, alimentée par des affluents des deux pays. Monsieur le Président, la construction du canal sur la rivière Massacre est depuis quelques années l'un des sujets faisant unanimité au sein de la population et de tous les secteurs en Haïti. Les Haïtiennes et les Haïtiens, en solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Ouanamet, parlent d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK. Canal là, pap campé. La construction du canal ne va pas s'arrêter. Jamais. La construction del canal ne va pas arrêter. Le gouvernement de la République d'Haïti réclame le respect de l'intégrité de son territoire. Claire. Sans faire le compte rendu exhaustif de la situation de nos compatriotes en terre voisine, le gouvernement appelle aussi à la protection de ses ressortissants et au respect des conventions internationales en la matière. Il réitère également l'appel au dialogue entre les deux parties. Voilà, c'était Luxon Saint-Ville. Merci en pile qui est crédit avec Luxon Saint-Ville pour image. Alors justement, et c'était Léon Charles, représentant permanent et pour Haïti dans l'OEA, qui était justement et à parler là, c'est des bagages extrêmement importants. Léon Charles font gros coup, monsieur font coup tête chargée. Et grand pile l'autre bagage que monsieur dit qui extrêmement important, OK? Et canal la pape camper KPK et nous dit bravo avec Léon Charles. Mon cher gros monde qui vous écoute réellement moi. Monde qui vous réellement moi là. Réel gros plaisir non Léon Charles là. Côté réel là. Tout le monde voit le ban moi. Moi même réel c'est venir pas moi. Réel papa, ça me semble qu'à gâter réel, monsieur. T'es pour être réel, ouais, Beto. On est qui semble avec moi. Vous comprenez? Il vient de gander, on ouye, petit paysan. Où est-ce qu'il m'a gâté réel? Moi, jamais. Vous comprenez? Nous pouvons parler. Et c'est réel, c'est moun. Depuis Haïti, moun a entendu réel dans la radio. Vous comprenez? Elle dit que le réel est dans la radio, bat contre Sim David dans le micro. Elle dit, m'blez nous contre ça. Réel, c'est son professionnel qui est dans le micro longtemps. Même qu'on a entendu réel. Parce que monsieur qui était envie conduire bien dans la rue Port-au-Prince. Téréel te go émission sérieux que monsieur te konn fait qui était l'éducation routière. Franchement, c'est une belle émission et monsieur formé en pile si jeune justement, monsieur do l'on retour école. Et bon gon le, me songé, on m'a dit son témoignage. Bon là c'est suite avec une émission Téréel que me détendé. Un groupe policier qui était prendre dans commune Tabar, qui s'en est prendre. N'yo pour y a la voix parce que m'te violé comme c'est un principe et dans la rue et puis
nèg yo campé moi et ben mon cher là ensemble avec moi dans un commissariat là n'est arrivé yo poser me question yo dit ou répondre toi quatre questions de poser depuis poser question ça yo répond yo ou gagne chance pour sortir licence là mais sinon ou prend licence là dans DGI alors ou prend payer licence dans DGI tabac bien quoi mais dans DGI ou payer licence là dans cette 1000 combien pièces 1000 combien good et ou pas quoi d'avance mais dis ou gagne chance répondre question yo et ben mon cher ou pas payer licence pas payer quoi d'avance. Mais c'est suite avec une émission terrielle de Dandéi sur éducation routière. Et que la monsieur pose une question, on me réfléchit. Et tel bagaille. Je réponds une question. Et heureusement, je te pose une question exactement pas de Dandéi dans l'émission terrielle de Kembeya. C'est ça qui t'a sauvé, moi. Je ne vais pas payer comme là. Je ne vais pas payer 1000 gouttes là. Moi, 1000 gouttes là. La vie n'a pas de bon Haïti. Avec 1000 combien de gouttes ça, mon cher. Quand on a besoin de ça, il n'y a pas de bon, moi. Il n'y a pas de bon, moi. Parce que économiquement, pas de solide. Vous comprenez? Nous pas de solide. Eh ben, ce premier jour, ça veut dire que, nous t'organisons, nous. Bravo. C'était Teriel Telus. Vous comprenez? Et depuis le San, parce que c'était dans Radio RCH 2000. Vous comprenez? Devine de Teriel. Mais après ça, Teriel était dans le train matinal. Même dès qu'on a train de train matinal en pile. Vous comprenez? Et à l'époque, sous ma télé, c'est pas trop moins. C'était ça, Mais après ça, nous vîmes pas de Teriel. C'est sous Jovenel. Nous vinn batan son choix de vinn faire parce que nous croyons que eh ben j'en comprenne ni c'est pas comme ça Teriel comprenne ni et puis nous vinn avancer nous tout le monde vinn faire ligne mais là attendez bien là Teriel ou un haïtien ou un nèg dehors ou un petit paysan même Jacques ouais vous comprenez ou Teriel son haïtien conséquent moi même franchement moi même monsieur oui honnêtement mais monsieur qui doit pas d'accord sur ces bagages avec monsieur c'est normal là tant que monde même j'ai tout monsieur qui doit pas d'accord dans bagages ensemble avec parce que même gonjan que moi tel bagage gonjan qui doit tel bagage c'est monde qui nous est mais monsieur que si n'a pas parlé pour Haïti n'a pas rejoindre nous quand même et c'est ça que nous même en tant que haïtien nous doit kembe là comme solidarité à nous mettre tête nous ensemble pour garder comment travailler des pays ça sauter dans ça qu'elle trouve là Léon Charles bravo pour vous en pile respect pour vous nous saluons Luxon Saint-Ville parce que image là c'est image justement bien que nous grand pile monde qui gagne mais justement c'est pour la télévision nous en premier nous mettez sur écran faut qu'on voit pour nous là tout nous va le monter là oui mais en autant des parties côté que Teriel a pour plaisir Teriel là son farouche me dit elle son vieux farouche oui parce que ça m'attendait là m'attendait pas trois fois mon cher Teriel là son quelle est son vieux farouche Teriel de l'isgle papa ouais Teriel quelle est son vieux farouche Teriel Teriel pour plaisir là sous dominicain. Mais moi, Teriel. Bon, franchement, on m'en fout de citer des tétés causés avec Pep. La construction du canal ne va pas s'arrêter. Claire, trois fois le dire. Le gouvernement haïtien réaffirme le droit du peuple haïtien à un usage juste et raisonnable des eaux partagées et s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes locales pour la réalisation des travaux dans les règles de l'art par les entités qui ont les compétences techniques et légales pour ce faire. Claire. Le gouvernement haïtien lance un appel à la sérénité et réaffirme la volonté de continuer à travailler afin d'obtenir une solution définitive aux différences sur l'utilisation des ressources en eau de la rivière Massacre et à poursuivre en ce sens les discussions alternativement en Haïti et en République dominicaine. Elle réitère son invitation transmise par la note en date du 15 septembre 2023 du ministère des Affaires étrangères adressé au ministère dominicain des Relations extérieures à reprendre les négociations. Le dialogue étant un élément essentiel aux relations de bon voisinage. Monsieur le Président, la construction du canal sur la rivière Massacre est depuis quelques années l'un des sujets faisant unanimité au sein de la population et de tous les secteurs en Haïti. L'éclair. Les Haïtiens et les Haïtiens ont une solidarité. Avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Wanamet, parle d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK. Le canal là, pas KPK. Voilà, Mdamou Léon Charles, moi un pile garçon. Nous même haïtiens nous pas saf, nous pas jambé son pile dans mes autorités. Ouais, nous même jeune là, autorité peut tout ça ne gagne papa, bah nous ti pas non seulement. Si peuple, si autorité haïtien. Ou là m'a dit une grande bagaille. Et c'est comme qu'a parlé. En vérité mon Dieu me sonne qui t'aimer Matéli. Là me dit m'aimer Matéli, et pas Matéli politique là. Matéli musique. Parce que moi même comme si actionnaire, moi même comme si brave, comme si qui hat, comme ça. Mais Matéli comme si qui vient pour te bourrer dans l'état comme si prend l'état faudra dire sous piquia non Matéli ça m'pas fok avec mais m'a dit que ya monsieur on
connecté avec Mateli, qui te vit dans un discours devant Madame Maniga, te gon face à face dans l'hôtel Caribe Convention Center dans Pétionville. On débat. Mateli fond Madame Maniga en deux. Ça qui passe tellement Mateli vient avec chiffres. Haïtiens, nous besoin de ça pour nous. Nous pour un peuple qui savent. Mais voir même, pour arriver dans le niveau, ou passer dans la bêtise ou montrer à nous tout. Et c'est là que Mateli écrive nous. Il montre à nous tout pour nous, et bien rien pour nous. Et puis tout pour nous, rien pour nous. Imaginez si nous décidons de faire un peuple en petit bagaille. Et quand Petro arrive, je dis ça honnêtement. Gagot la fête. C'est de préval à Mateli. Gagot la fête. Comme la manger vrai. Nèg riche nan kobla vrai même nèg konnen ki riche nan kobla yo pa fan rien pou peyi a nèg pa kouti l'amour et puis mwen nèg yo gen pèl kay en Dominicani bon Mateli gen kay Punta Cana ba pou Punta Cana parce que Mateli gen kay Boca Chica même son ba extraordinaire mais pou ki sa nèg yo fè peyi a ça haïtien nou pa besoin en pile ou pa sa Léon Charles fè la Léon Charles fait seulement yon petit coup de discours, une déclaration pour peuple là, sauté à toute la République qui est en viré. Si vous avez un problème avec Léon Charles, oubliez-le. Il s'agit de Haïti. Et c'est ça. De bon, on a fait pour pays là, ou qu'a posé action. Nous sommes capables parler, ou qu'a posé action pour pays là. Mon cher, c'est où pays d'Haïti, mon cher? Nous, c'est le seul peuple qui n'a jamais besoin de pile. Et émotion nous, en tellement l'air, ça va être chargé. Ça cause nous prendre un bluff là, nous prenons un bluff là grave, comme si nous facile pour prendre un bluff, parce que nous sommes un peuple qui agit avec émotion tout quelque part. Mais si n'a pas si pas n'a pas j'avais comme monsieur Bijou nous qui a j'avais cœur ça m'avait nous. Bah non mon cher, nous fait gol déjà mon cher. Moi je dis nous agir avec émotion dans le ce canal et puis tout haïtien agit sincèrement. Ou pas qui résultat la nature justement ensemble avec nous. Le temps les jouer en faveur nous et pour bon Dieu dans celle là pas accompagner nous. Force, solidarité. Et pour elle, une facilité pour nous identifier traître parmi nous. Dans nos rangs, point de traître. Traître, de pour te traître parmi nous, chef, fais sport, ouais, traître, tu as des difficultés, oui, pour nous sauver parmi nous. En entendant, encore une fois, mon cher, il dit que tu es pour plaisir dans la bagarre. Moi, je prends une tête de tériel, mon cher, son va être tête chargée. En entendant, encore, tériel pour plaisir là, moi, je prends plaisir dans sa tériel, attendez, oui. Tenez, non. La société extérieure à reprendre les négociations. Le dialogue est un élément essentiel aux relations du bon voisinage. Monsieur le Président, la construction du canal sur la rivière Massacre est depuis quelques années l'un des sujets faisant unanimité au sein de la population et de tous les secteurs en Haïti. Très. Les Haïtiens et les Haïtiens ont une solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Wanamètre parle d'une seule voix. Quant à la poursuite des travaux, nous dit KPK. KPK. Le canal là, pas tapé. Ah, mon bâton de discours. Tidjon, tout laisse encore Tidjon. Pas de Tidjon. KPK le dit. Mon silence. Des quelques faits publiés par le gouvernement de la République d'Haïti en lien avec la construction du canal sur la rivière Massacre, je voudrais faire référence à l'écrivain Eduardo Galeano, journaliste et poète uruguayen, là, mon estimable collègue Washington Abdallah serait d'accord avec moi, qui, dans son livre « Les vers ouverts de l'Amérique latine », publié en 1971, dénonce une attitude de non-respect généralement affichée envers Haïti. Et je cite: il faut le répéter jusqu'à ce que les sourds l'entendent. Très, très bien. Haïti est le pays fondateur de l'indépendance de l'Amérique. Clair. Et le premier pays au monde qui a vaincu l'esclavage. Il mérite mieux que la réputation qui lui vient de ses malheurs. Fin de citation. Monsieur le Président, comme nous le savons tous, les malheurs d'Haïti ont été légion au cours des siècles. Et je peux citer brièvement la dette de l'indépendance, les tremblements de terre, les ouragans dévastateurs, les embargos, les crises politiques à répétition et finalement la crise actuelle
caractérisée par la violence aveugle conduite par les gangs armés sur une bonne partie du territoire. La principale cause des problèmes auxquels nous faisons face actuellement est l'insécurité généralisée du fait de l'action des gangs armés. En réponse à la demande du gouvernement de la République, inscrite dans la lettre du Premier ministre, son excellence docteur Ariel Henry, le 8 octobre 2022, ma délégation profite pour remercier les États membres qui ont contribué à l'adoption de la résolution 2699 par le Conseil de sécurité le 2 octobre dernier, autorisant la constitution d'une mission multinationale d'appui à la police nationale. Ma délégation invite les États membres de notre illustre organisation à contribuer par tous les moyens possibles en vue de permettre à la mission d'appui de se constituer effectivement. Monsieur le Président, la République d'Haïti en a assez des crises. Ce n'est nullement le moment d'en alimenter une autre avec notre plus proche voisin. Jamais. Et ça, c'est d'ailleurs ce sentiment qu'a exprimé le Premier ministre Dr. Ariel Henry, qui, à une question de journaliste, a répondu en ces termes. Pas de tac au tac avec le voisin. L'essentiel, c'est de trouver une solution. Le gouvernement ici affiche une position de sagesse, sans émotion, mais avec maturité. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, s'agissant du différend opposant la République dominicaine et la République d'Haïti, concernant la construction du canal sur la rivière Massacre, souffrez que je vous présente brièvement quelques faits. Le gouvernement haïtien, dans le but de maîtriser les coûts de la rivière Massacre et mettre en valeur du même coup une partie de la basse plaine de Maribao, dans le nord-est, a décidé en 2018 d'entreprendre la construction de systèmes d'irrigation pouvant arroser 3000 hectares de terre. Le dit système sera alimenté par les eaux de la rivière Massacre. Celle-ci est un cours d'eau frontalier formé par des affluents prenant source tant en Haïti qu'en République dominicaine. Ainsi, le territoire haïtien contribue largement à générer les débits mobilisables de cette rivière commune. Très bien. En République dominicaine, elle prend naissance à Pico del Gallo, Loma de Cabrera. En Haïti, elle reçoit au niveau de contrée Bernard plusieurs affluents pour donner naissance dans le versant haïtien de la Cordillère Centrale, notamment la rivière de Capotille, la rivière Jean-Denant et la rivière La Mine. Après environ 10 km comme ligne de démarcation des deux pays, elle pénètre en Haïti sur un parcours de 2 km avant de traverser la frontière au niveau de la borne RH-RD 13 pour un parcours en territoire voisin. Puis elle redevient ligne frontalière jusqu'à son embouchure dans la baie de Mancenille. De la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 9 février 1929 à nos jours, la République dominicaine a construit 12 ouvrages sur la rivière Massacre dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Je répète, de la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 29 février 1929, à nos jours, la République dominicaine a construit 12 barrages, ouvrages sur la rivière Massacre, dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Les travaux de ces ouvrages ont été réalisés de manière unilatérale et n'ont pas été préalablement notifiés à l'État haïtien. Ces infrastructures hydriques en fonction sur le territoire dominicain exploitent plus de 70% des ressources en eau de la rivière Massacre à des fins agricoles et industrielles. Claire.
ça est important. Le du canal a véritablement démarré le 2 avril 2021. Mm-hmm. Peu de temps après, les autorités dominicaines ont dénoncé la réalisation de ce travaux. Mm-hmm. En Guyane, qui pas sérieux. On a continué. Et c'est ça. Entendez bien, Dominique n'est pas sérieux. Il n'a pas respecté Moyo. Et vous toujours pensé depuis en face avec Haïtien, vous avez fait n'importe bagaille, n'importe qui leur, et vous avez légitimité pour vous faire. Et c'est ça, pour nous foutre comme leçon, pour nous montrer que vous pas moun, vous sans koutcha, vous sans vergogne, vous pas moun, vous pas une dignité, vous pas foutre l'histoire. Et tel, vous pas foutre tout, vous sans honte, vous sans mêlé, vous pep mêlé, vous pep volo, pep kade, petit kade jake, petit femme ceci, femme cela, vous avez toute race, vous toute bête, oui, vous avez kamikaze là-dedans, vous avez terroriste là-dedans, vous avez tout moun net là-dedans, comme si son nation était chargée. Vous comprenez, mais je dis là, mes groupes qui pi mal arrivent au pouvoir. Et pep Dominique qui a payé ça, pep Dominique qui a payé, pas n'a fait au pays ça là, n'a fait respecter moun, bonne vaca. Bon. Mm-hmm. Si on s'est rendu à Santo Domingo, mm-hmm. en vue de faire valoir la position du gouvernement haïtien en présentant et en décrivant l'ouvrage de dérivation. Le 27 mai 2021, à la fin de la rencontre, les deux parties ont signé une déclaration conjointe, stipulant notamment dans ses considérants, il est établi le droit pour les deux nations d'utiliser les eaux des rivières qui se trouvent dans la zone frontalière de manière juste et équitable. Le 7 juillet 2021, malheureusement, les travaux ont été interrompus avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le mercredi 30 août 2023. Attendez bien, oui, désolé. Léon Charles bien mentionné, il est bien précisé. Le 7 juillet 2021, travail a campé. Parce que le président a assassiné. Avec du travail à camp exactement 7 juillet. Même Jean Docteur Clujol te dit là. Pour tout mandat, menteur qu'on a pensé, qu'on a dit l'obéio, je travaille à camp sur Jovenel. Mais vérité, un chien sale. Léon Chalba, vérité, en avance. Les agriculteurs de la plaine de Bamaribaou ont entrepris la poursuite des travaux de raccordement du canal. Le 1er septembre 2023, le premier ministre Ariel Henry a dépêché une mission sur le terrain en vue de discuter avec les riverains. Le 8 septembre, le gouvernement dominicain a ordonné unilatéralement la fermeture du poste frontalier officiel de Darabon Mohamed. Parallèlement, l'armée dominicaine a fait une démonstration de force en mobilisant des engins lourds sur cette partie de la frontière. Le mardi 13 septembre 2023, le gouvernement haïtien dominicain a décidé de commun accord de se réunir à Santo Domingo à travers la table hydrique binationale de la commission mixte bilatérale afin de trouver une solution juste et définitive à ce différend. Le 14 septembre 2023, alors que les deux parties étaient en pleine négociation, un décret présidentiel a été promulgué par le gouvernement dominicain mettant à exécution les menaces proférées 3 jours plus tôt de fermer les frontières terrestres, mm-hmm. aériennes et maritimes avec Haïti. Toutes les frontières. Ces mesures unilatérales ont amené la délégation haïtienne à mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Clair. C'est au Guinée qui compte dévier parole. Il n'y a pas capoté, il n'y a pas capoté. Mais petit John tourne petit parti ça. Et ça me remet, oui. Moi, je me dis parti ça. Construction, il n'y a pas campé. C'est ça, il dit, oui, KPK, il n'y a pas campé, tout le monde, John. À mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Mm-hmm. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, mm-hmm. la construction du canal ne va pas s'arrêter. Ne va pas s'arrêter. Clair. Nouvelle de la topographie de la rivière Massacre, d'une part, uh-huh. ainsi que de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du traité du 20 février 1929, d'autre part, le gouvernement haïtien clame son droit d'utiliser de manière juste et équitable les eaux de la rivière Massacre, rivières frontalières et successives,
alimentée par des affluents des deux pays. La situation actuelle, caractérisée par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que la mobilisation des troupes militaires du côté dominicain, n'est profitable ni à la République d'Haïti, ni à la République dominicaine. Il y a une urgente nécessité de calmer les esprits et de prendre des mesures concrètes pour une désescalade. Haïti condamne fermement l'utilisation de la menace, les manœuvres d'intimidation et de la désinformation qui ne sauraient se substituer au respect des engagements internationaux. Le gouvernement haïtien exprime sa grande préoccupation face à l'intransigeance des autorités dominicaines. Condamne fermement leur récente décision d'agrandir le canal de la Vigia avec l'intention officiellement affirmée de dévier complètement les eaux de la rivière Massacre afin d'en priver les utilisateurs haïtiens en violation flagrante du traité de paix, d'amitié, d'arbitrage du 20 février 1929. Un gros bonnet, il est monté sur lui. Et ça fait un moun sa, faut bien négocier. Parce que moun sa, on paraît stable. Qui donc égal ego. Justement. Et c'est ça. Et parti. Alors, yon parti dans la déclaration Léon Charles là. Qui nous trouvait qui extrêmement important. Parce que ça, le bio dit nous article tout plume dans de monte. Léon Charles dit KPK. Canal la pap campé. Et c'est mot créole ça. Moun nan tout gounou. Pays m'nan tap tande. Moun nan bois chadek nan grand gosier, nan ma poubelle, lans tiot, nan ma ro, ou koupan sa me djoulan, moun nan sapit pedenal. Tout a ici ki nan, comment rele, zone sa, te chaud, ou koupan sa me djoulan, tout zone sa, ou si ba ro, ma e ro, ou koupan sa me djoulan, ba plein ma pou, nan kadidje, ou koupan sa me djoulan, nan ro fort, tout a ici nan ma pou, mion nan plein ma pou, sous marché, ou koupan sa me djoulan, nan pichon. Comprenez tout haïtien qui nan Togounou nan sud-est, comprenez tout haïtien qui nan Foucochon nan Jérémy, nan Mafran nan Chambellan nan Moron, comprenez ça me dit déclare l'état de KPK canal la pape campé, c'est parole pa yoa. Haïtien qui nan ba plein Marie ba yoa li même, c'est sale tap tanoui nan tout ça li on j'allais dit KPK. Et bon créole ça l'ovin avèl sous tribune OEA, m'pa bon menti mon cher, le chalou ou frappe causé. Ou frappe causé, garçon. Aïe. Abibi, nous n'en collons tout garçon, des pieds collés, facabon, pas bêtise avec nous. Pas j'aime rançon avec nous. Nous sommes peuple souverain, nous pas n'importe monde sous la terre. Nous n'aime qui des monde bêtise avec nous. Nous n'aime qui des monde rançon avec nous. Bravo, avec représentant nous dans l'OEA, Léon Charles, mon cher compliment. Et en pile l'amour pour moi même c'est ça et c'est ça en pile l'autorité dans pays d'Haïti pas connaît mais m'a dit OK et qui paraît là compte ça très bien il compte peuple haïtien comment lié déjà et qui paraît là pour un frime dernièrement dans 78e assemblée générale des Nations Unies à New York il y a l'église école Ariel parler de canal clop et fini Ariel vient dans pays d'Haïti il parle de canal clop il fini et puis l'entrée dans coquille depuis jour Ariel pas parler de canal encore. Mais là, ça qui est important, c'est que, il y a des bagages que tout le monde connaît. Et malheureusement, Jovenel Moïse mouri, il y a des ponts qui coupent. Après, ça m'a pas d'abri intérêt pour m'a parler de 10, pas parler de date. Ou m'a dit, non, qu'un bagage, au niveau de la privée, moi-même, n'a pas clairement. Faut qu'élection faite dans le pays. Et n'a pas saison, n'a pas vu là, m'a pas parlé de bagages pour m'a dit, non, faut qu'Ariel fait élection dans le pays. Après, m'a saisi. Et faut que moun participe normalement. Fuck équipe Claude Joseph participer avec parti politique client. Fuck Martin Moïse vient participer pour battre dans une élection. Et c'est eux-mêmes qui pour faire élection pour nous battre. Pour nous foutre 2 millions de monde voter Martin Moïse ou fini. C'est le président, c'est le candidat à la présidence. Il va évoluer comme candidat à la présidence. Martin Moïse est candidat à la présidence. C'est ça, oui. Et 2 millions de monde voter lui et puis battre les gens. Et n'est-ce pour faire élection même. Et n'est-ce pour faire élection. Et pour faire élection. C'est clair. Il est clair, il faut mettre gueule derrière nous pour nous finir avec pratique ça, pratique ceci, pratique. Non, malheureusement, il y a tué le président, mais il n'y a pas tout le président là, monsieur. Tchad, je cogne. Aldi, ta cogne. Voilà, maintenant, et on traverse dans l'autre chapitre qui est extrêmement important pour la République. Et
chapitre qui est important là pour nous traverser. Encore une fois, me saluer Léon Charles. En pile respect, pour vous. Et me pas bon menti, sorti ça, c'est une sortie extraordinaire. C'est une sortie tête chargée. Et l'idée important pour qu'il ne dépasse. Gon ti moun 14 ans qui font déclaration sous canal là avant hier. Va me permettre nous tendre là avant que mal rentrer dans déclaration et sénateur dominicain, sénateur de Habong nan. Et avant de faire nous tendre déclaration petit jeune homme ça. L'idée important. Tendez ça pour nous peuple haïtien, ti moun qui connaît l'histoire li bien. Tendez ça. On va prouver nous que République Dominicaine c'est pour Haïti, ça c'est pour nous les six canaux nous n'a fouillé on va rien pêcher nous. OK. Non pas monsieur Garçon Davidson, m'a fait 9e année, le col espoir pour Haïti, on a met. OK. Le fait que les espagnols étaient là. L'île là était divisé en deux par un traité que les traité de Ouistwick. Côté que les espagnols étaient remettre partie l'ouest là à la France qui c'est Boucanio qui était dans l'île de la Tortie. Et puis République Dominicaine était à l'est. Côté que français là on vient river dans l'île là, yo ouais il là pas qu'a produit pas pa gagner l'encore, pas gagner uranium encore ça au fait. Yo garder terre, yo ouais terre qu'a produit, yo dit